Shalom à tous, Boker Tov. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, le cours de ce matin est en fait le cours qui aurait dû avoir lieu hier. Voilà, c'est le cours de Pirkei Avot. Il y aura, Bezrat Hashem, aussi le cours d'aujourd'hui, le cours de Parashat Shavuah. Mais hier, pour des problèmes de connexion, je n'ai pas pu faire le cours. Bekitsor, on va commencer donc avec le cours qui aurait dû avoir lieu hier. Nous sommes donc dans Maseret Avot, on revient dans notre étude de Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 13. C'est-à-dire, Perek Aleph, Mishnah, Yud Gimel, et c'est parti, allons-y. Hop là. Et donc, alors, on se rappelle, avant les vacances, et bien dans la Mishnah Yud Bet, on avait vu les paroles de Hillel Azaken. C'est-à-dire qu'on nous avait dit Hillel Veshama et Kiblou Mehem, donc Mishmaya va Aftalion, et là on nous avait dit Hillel Omer Eve Mitamidav Shel Aaron Ev Shalom Rode Shalom Ev Et Abriot Umikarevan La Torah. Donc on avait commencé avec les paroles de Hillel. Sauf que, eh bien, il y a une surprise quand on arrive à la Mishnah 13, la Mishnah qui suit, puisque on nous dit Hu Aya Omer. Donc on n'est pas dupe. S'il y a marqué Hu Aya Omer, eh bien, on reprend la Mishnah d'avant. Et donc, on sait que c'est Hillel qui parle. Pas de problème. Sauf que, quand on regarde le texte, eh bien, on voit qu'il y a une chose bizarre. Negat shema avat shema, udela mosif yasif, udela yarev katala chayav, udishtam ashtaga chalaf. Eh bien, oui, on a du mal à comprendre, parce que tout d'un coup, il se met à parler en araméen. Bizarre. Mais c'est d'autant plus bizarre. On va revenir évidemment sur ce que ça veut dire de parler en araméen. Mais en plus de cela, quand on regarde la Mishnah suivante, qu'on ne va pas expliquer là maintenant, eh bien, on nous dit « Ouaya Omer », donc c'est toujours Hillel qui parle, mais cette fois « Imen anili mili, ukshani laatsmi maani, veimlo arsha vematai » il revient en hébreu. C'est-à-dire que Hillel Azaken a ici trois Mishnayot qui se suivent. Sauf que la première est en hébreu, la seconde est en araméen et la troisième revient en hébreu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la première explication est une explication purement historico-géographique. C'est-à-dire que Hillel a eu trois périodes dans sa vie. Trois périodes dans sa vie qui sont également des périodes différentes au niveau géographique. Tout d'abord, il a été en... Hillel vient de Babylone. C'est-à-dire, d'abord, il faut mettre ça en place. Hillel vient de Babylone, il est né là-bas, il a grandi ses premières années de vie là-bas. Mais ensuite, tel qu'on peut le voir marqué dans la Gemara, eh bien, Hillel va devenir un des élèves de Shmaya Vartalion. Vous savez, la fameuse histoire qui est mentionnée dans le Talmud, où il voulait tellement étudier la Torah, mais il n'avait pas d'argent pour payer sa cotisation au Beit HaMidrash. Eh bien, il est monté sur le toit du Beit HaMidrash pour entendre les paroles de Torah de Shmaya Vartalion. Il s'était en hiver et il faisait très froid. Il était allongé sur le toit du Beit HaMidrash et la neige a commencé à tomber. Il s'est endormi. Et lorsque le petit matin, eh bien, par la lucarne qui était censée amener de la lumière, eh bien, Shmaya Vartalion voit qu'il y a de l'obscurité. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il monte en haut pour voir ce qui se passe. Et il voit qu'il y a une espèce de silhouette humaine recouverte de neige qui s'est endormi et qui est pratiquement mort de froid. Et quand on le ramène à l'intérieur et qu'on le réchauffe, eh bien, on se rend compte que c'est Hillel qui était prêt à mourir pour étudier la Torah. Et à ce moment-là, on dit, vous allez voir que va sortir de cet homme-là quelque chose de très grand. Donc, tout ça pour dire que Hillel, dans sa première partie de vie, est venu étudier en Eretz Israël. Ensuite, une fois qu'il a terminé sa formation, ce Shmaya Vaftalion, il est reparti à Babylone. Pourquoi faire? Eh bien, il est reparti à Babylone pour parfaire son étude. Parfaire son étude, non pas avec son maître, mais avec sa chavruta ou avec lui-même. Et donc, pour cela, il est parti s'isoler à Babylone, là où il n'y avait pas la folie de la vie d'Eretz Israël. Et ensuite, une fois qu'il était arrivé à maturation, eh bien, il revient en Eretz Israël et il devient Nessi Israël, il est à la Zaken et il devient celui qui est notre grand maître à tous. Donc, il y a eu trois périodes, une période Eretz Israël, une période Babylone et une période Eretz Israël. Et donc, eh bien, à ce moment-là, il devient facile de comprendre ces trois Mishnayot.
La première qu'on a lue, Hillel Omer Eve Mitamidav chez Aaron, c'est quand il est déjà dans sa troisième période, à savoir, il est le Rav qui enseigne. La seconde Mishnah qui va nous intéresser ce matin, c'est lorsqu'il est dans sa période babylonienne, dans sa période d'études en introspection personnelle, et on va comprendre ce que dit la Mishnah. Et la troisième Mishnah, en fait, nous ramène dans ses plus jeunes années, là où il était un Talmid chez Shmaya Vaftalion, et on va voir que cette Mishnah-là, quand on l'étudiera, nous explique à quel point il veut se mettre à l'étude de la Torah. Bekitsour, donc on a trois Mishnayot, une en hébreu, une en araméen, une en hébreu, parce que il y a trois périodes de la vie de Hillel, une où il était en Israël, donc en hébreu, une où il était à Babylone, donc en araméen, et une où il était en Israël, donc en hébreu. Voilà, ça c'est une première explication. Alors, évidemment, ça nous laisse nous prendre conscience que c'est pas seulement Hillel, nous également, nous devons avoir cette évolution en trois temps. Quand on parle de l'étude de la Torah, chacun d'entre nous, nous devons avoir trois temps. Un temps qui s'appelle Talmid, où on vient écouter la Torah de son Rav, et on en a besoin à chaque moment, à chaque instant, parce que sinon on n'y comprend rien. Ensuite, il y a un autre stade où tu n'es pas détaché de ton Rav, mais tu n'es pas tout le temps à écouter chaque parole de lui. Tu peux également, toi, grandir dans ton limoud, c'est la période de l'omed, et après, eh bien, tu dois sortir et devenir un melamed, un rave, celui qui transmet aux autres. Donc, ce sont ces trois périodes qui sont très importantes. Le danger, c'est de squeezer un petit peu la période de l'omed. Et je dois dire que toutes les personnes qui prennent une fonction rabbinique et qui commencent à enseigner sont dans le dilemme. Est-ce que j'ai passé et moi le premier, hein, que ce soit clair. Est-ce que j'ai passé suffisamment de temps en tant que lomed, c'est-à-dire en introspection dans mon limoud pour grandir dans ma Torah, ou est-ce que je suis sorti un petit peu trop vite enseigner. Et à ce moment-là, j'ai des lacunes au niveau de ma construction personnelle. C'est un grand débat. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas, si tu es resté un an et trois mois en train d'étudier, c'est bon. Il n'y a pas de recette miracle. Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à ne pas nous tromper dans notre enseignement quand on a décidé d'aller enseigner, qui en général se précède d'un accord de son rave. Hein. Il est évident qu'on ne va pas enseigner la Torah tant qu'on n'a pas reçu la permission de son rave. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la transmission de la tradition juive, la smicha. C'est-à-dire que ton rav t'a dit, c'est bon, tu peux y aller. Aujourd'hui, il y a des examens du rabbinat, mais je veux dire, depuis Moshe Rabbeinu, ça n'a jamais été fait par examen. Le rav qui connaît son élève savait à quel moment il était prêt à aller enseigner, et dès qu'il lui a dit, c'est bon, tu peux y aller, eh bien, ça veut dire que c'est bon, tu peux y aller. Alors maintenant qu'on a dit ça, venez, on va rentrer dans le texte. Mais avant cela, avant de rentrer dans le texte lui-même, on a expliqué l'araméen comme étant un passage géographique. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus profond qu'il faut comprendre. L'araméen et l'hébreu sont deux langues d'abord qui sont très proches, mais justement ce qui les diffère fait toute la différence. L'araméen, c'est le subconscient de l'hébreu. Pas de l'hébreu en tant que langue, mais de l'hébreu en tant qu'identité. Et oui, je vous rappelle que Avraham Avinu est appelé Avraham à Ivri. Et il est évident qu'il est appelé Ivri parce qu'il est d'abord et avant tout, avant d'être ce que dit Rashi, il est Ouavar et Tanahar, que tout le monde est d'un côté du fleuve et il est idolâtre, et lui il est de l'autre côté du fleuve, il est monothéiste. C'est vrai. Mais avant cela, il était d'abord le descendant de la famille de Ever. Et donc c'est un hébreu. Eh bien, il est évident que l'hébreu, il parle hébreu. Jusque-là, il n'y a pas de débat. Sauf que, lorsque Avraham devient monothéiste et donc va poser les bases de ce qui va devenir l'identité d'Israël, eh bien ces bases, avant d'être en Eretz Israël, sont à Aram Haran, à Aram Naharaim. Et donc là-bas, il y parle araméen. Il est évident qu'Abraham parle également araméen. C'est d'ailleurs très certainement sa langue maternelle, puisqu'il est né à Ur Kasdim. Donc, celui qui va être le fondateur de l'identité d'Israël a comme langue maternelle, premièrement, va grandir avec l'araméen comme étant la langue de base. Alors tu dis contrairement à Lavan à Arami. Oui et non. C'est-à-dire que Lavan à Arami est aussi un hébreu. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, Lavan n'est autre que le fils de Bethuel, qui lui-même est le fils de
Bah, de Nahor, frère de Abraham. Donc, Nahor est également le descendant des Hébreux. En d'autres termes, il est évident que, on va dire, familialement parlant, Lavan n'est pas arami, Lavan est hébreu. Mais justement, c'est là qu'on voit l'influence que va avoir la galoute, c'est l'assimilation. Puisque Bethuel n'est déjà plus appelé un hébreu, et Lavan est appelé partout à arami. Donc dès que Nahor choisit de partir s'installer à Haran pour prendre l'option cosmopolite du judaïsme, eh bien il perd hébraïque. Et bah, ce qu'a fait Nahor, eh bien on le revoit malheureusement aujourd'hui. Eh oui, une grande partie du peuple juif, qu'ils vivent en France ou qu'ils vivent aux États-Unis ou ailleurs, eh bien demande-leur, ils se considèrent beaucoup plus comme étant français. Des fois de confession israélite, mais très souvent pas du tout. Et aux États-Unis, c'est encore pire. L'identité première est l'identité américaine. S'il y a une identité juive derrière, t'as du bol. Et donc, oui, c'est vrai que Lavan a arami et a succombé à l'assimilation. Malheureusement, on connaît ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là que Abraham, sa langue maternelle, c'est l'araméen? Eh bien, il semblerait donc que l'araméen, c'est le subconscient de l'hébreu. En d'autres termes, il y a dans l'araméen une dimension extrêmement profonde. En araméen, on se permet de dire des choses qu'on n'arrive pas à expliquer en hébreu. Puisque l'hébreu est devenu la langue officielle de l'hébreu qui revient en Eretz Israël. Abraham en Israël parle hébreu, Yaakov parle hébreu, Yitzhak, j'en parle même pas. Donc l'hébreu est devenu la langue officielle de l'hébreu. L'araméen devient donc à ce moment-là quelque chose qu'on a caché un petit peu derrière. Et c'est donc la langue des secrets. La langue qui va permettre de transmettre des choses qu'on n'arrive pas à expliquer forcément très facilement. C'est pourquoi on trouvera le Sefer HaZohar écrit en araméen, par exemple. Mais je vous donne un exemple très concret. Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, ça veut dire littéralement Hakadosh ou Abaruch. Ça veut dire quoi ? Le transcendant, il est également l'émanant. Il y a fait ? Ça ne veut rien, c'est une phrase qui est très belle, mais qui veut rien dire, enfin du moins, qui est très difficilement compréhensible au niveau concret. Akadosh Baruch Hu, c'est pas clair comme phrase. Nahon, c'est pas clair. Mais on comprend que ce sont deux notions qui sont pas claires. Akadosh, c'est quoi le transcendant ? Vabaruch, c'est quoi celui qui est la source des bénédictions ? C'est pas clair. En araméen, quand on traduit Akadosh Baruch Hu, on a l'habitude de dire Kutcha Berihu. Le problème, c'est que Kutcha Berihu n'est pas la traduction de Akadosh Baruch Hu. Puisque la traduction de Akadosh Baruch Hu en araméen devrait se dire Kadisha Baruch Hu et non pas Kutcha Berihu. Kadisha, c'est Akadosh. Qu'est-ce que c'est Kudsha? Kudsha, c'est en hébreu à Kodesh. Le Kodesh, ce n'est pas le Hakadosh. Hakodesh, c'est l'émanation de la transcendance. On balance des mots qui font savant. Viens, on essaie de comprendre très bien. Hakodesh, c'est le dévoilement de la toute-puissance de Dieu ici, dans ce monde. De dire que l'émanation, c'est-à-dire que le ressenti dans ce monde-ci est également la source des bénédictions d'en haut, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire en hébreu. Donc on le dit en araméen. Alors maintenant, une fois qu'on a fait la présentation de l'araméen, venez, il est temps qu'on rentre dans la Mishnah. Dans la Mishnah donc de Pirkei Avot, chapitre 1, verset Mishnah 13. Où aya omer Negad Shema, Avad Shemé. Celui qui se sert de la Torah pour glorifier son nom, Negad Shema, Avad Shemé. Celui qui se sert de la Torah pour glorifier son nom, c'est-à-dire celui qui se sert de la Torah pour grandir Baolam Hazé. Prenons un exemple. Hein. Ah non, mais moi je suis Arav Agadol. Je ne peux pas m'asseoir avec le peuple. Il me faut une chaise. Avec des coussins, machin. Hein. C'est-à-dire celui qui fait ça pour recevoir du kavod, de la grandeur, Baolam Hazé,
Genre, pourquoi est-ce que je fais un chiour? Bah, parce qu'on m'a dit que c'était bien rémunéré. Donc, je suis devenu rabbin. Comme ça, je vais prendre plein d'argent dans les chiourim. Si c'était bien rémunéré d'être rabbin, on le saurait. Hein? Ou alors, il faut que les gens ils me disent comment ça marche. Ou alors, tu deviens rabbin parce que, comme ça, les gens ils vont t'embrasser la main. J'ai beaucoup envie que les gens m'embrassent la main. Donc, je deviens rabbin. Non, 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 c'est pas... Tu comprends ? Finalement, ton nom, il va disparaître. Tu vas le perdre, ton nom. Lama. Parce que la Torah, il omina olamazé. La Torah, en vérité, elle vient des mondes supérieurs. Elle vient de Kadosh Baruch Hu. Donc, si tu te sers de la Torah pour grandir, bah, olamazé, tu finiras par disparaître de olamazé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça, j'en suis persuadé, Am Israël, il n'est pas dupe. On ne peut pas mentir éternellement. Si la personne, ça se voit que bah, toute sa Torah, ce n'est que pour avoir du kavod et que quand il n'a pas son kavod, eh ben, il est mal, je pense qu'à un moment donné, tu comprendras que finalement, la Torah non plus, il n'y en a pas beaucoup chez ce bonhomme-là. Évidemment, ça ne veut pas dire que, à l'inverse, le Kaal ne doit pas donner du kavod au Rav. Chayavim, la tête kavod de la Rav. Mais le Rav, il est chayav de ne pas en vouloir de ce kavod. C'est cette dualité-là qui règne. Donc, negat shema, avad shema. Ok. Udela mosif, yassif. Et celui qui ne rajoute pas continuellement dans son étude, yassif. Yassif, mazel yassif. Yassif, terminé. Yassof, yavor mina olam. Yamout. Yamout. Ça va être yamout. Celui qui n'en rajoute pas dans son étude. Celui qui ne veut pas apprendre. Vdela mosif. C'est-à-dire qu'il ne, il a appris deux, trois choses, et puis c'est tout. Il ne veut pas continuer à apprendre son étude. Dans son étude. Il ne veut pas grandir. Il ne veut pas se mitradesh kolasman, il ne veut pas se renouveler, il ne veut pas continuer à apprendre d'autres choses, des nouvelles choses. Agave, pas que dans l'étude de la Torah. Là, on ne parle pas forcément de l'étude de la Torah. Cet homme-là, quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne connaît rien, qui est barbare, ben finalement, il est un danger pour ce monde. Donc, il vaut mieux qu'il dégage de ce monde. Parce que c'est l'apprentissage des connaissances qui permet d'arriver à une civilisation, qui permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Vous croyez quoi ? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'amène pas la Géoula à l'époque des hommes de pierre ? Parce que si toute ta vie, elle est concentrée sur la chasse, la cueillette et la survie de ton espèce, Michelom osif limoud, Michelom osif rochma, celui qui n'ajoute pas et qui reste bourvé à Maharet, qui reste débile, qui n'apprend rien de nouveau de ce qu'il connaît déjà, à quoi il sert dans ce monde ? Tsarir l'ilmod ! En vrai, c'est vrai dans la Torah, parce que tu imagines, un rabbin qui a étudié un an, deux ans, trois ans de Torah, il connaît 30, il a de quoi faire 30 cours. Oh ben, une fois qu'il a fait les 30, Mazé Chavé, tu vas l'écouter, il est dit tout le temps la même chose. Mazé Ozer, ça y est, j'ai compris. Donc, des lames aussi. Yassif. Odela yalef, ktala khayav. Odela yalef, celui qui n'étudie rien du tout. De l'âme aussi, on a dit, il connaît quelque chose, mais il ne veut pas en rajouter. Aval, celui-là qui est de la yalef, celui qui dit non, moi, je n'ai pas besoin d'étudier. Alors, encore une fois, vrai dans la Torah, vrai dans le reste de tout. Odela yalef, ktala khayav. C'est que t'as la chayav, chayav mita. Eh ben oui. Ben là, ma chayav mita. Ben on a dit, parce que cet homme est un véritable danger public pour le monde. C'est-à-dire que tu préfères être un homme qui, en fait, n'en est pas un, alors tu n'as rien à faire ici. L'apprentissage est le propre de l'homme. L'homme se différencie des animaux parce qu'il veut toujours chercher à connaître plus son environnement. L'animal aussi a un apprentissage, bien évidemment. L'animal aussi va apprendre de la vie elle-même. Il va apprendre plein de choses.
le chien va savoir que quand il sort de son habitat, s'il va à droite, là-bas, il y a un précipice. S'il y a un gauche, et s'il va à gauche, il y a de la nourriture. Eh ben, une fois il ira à droite, il va se rendre compte qu'il peut pas manger. Une fois il ira à gauche, il va se rendre compte qu'il peut manger. Eh ben, il va apprendre qu'il doit aller à gauche. Et il ira toujours à gauche, il ira plus à droite. Donc, évidemment qu'il y a une capacité d'apprentissage du chien. Aval l'homme, son rôle, c'est de dévoiler tout ce qu'il y a à savoir. Eh oui. Le rôle de l'homme, c'est Mikol et Sagan Achol Tochel. De manger de tous les arbres du jardin, y compris de ceux qui sont et tov le mar'e ve tov le ma'achal, et sachaim ve et sadat tov vara. C'est-à-dire que l'homme a comme rôle de devoir apprendre. La question, oui, monsieur Hamlet, Hamlet a tort. La question n'est pas to be or not to be. Et vous remarquez ici mon accent extraordinaire. La question n'est pas to be or not to be. La question is to learn or not to learn. C'est ça la question. Pas être ou ne pas être, mais est-ce que tu apprends ou est-ce que tu n'apprends pas? Et donc, celui qui déciderait de ne pas apprendre, de ne rien savoir, k'ta la chayav. Chayav mita. Ki adif shelo yavo la olam ben adam azeh. Vaudrait mieux qu'il soit pas là. Et enfin, Udeishtamash betaga chalaf. Ah. Udeishtamash betaga chalaf. Maze mishtamash betaga. Mishtamash beketer a Torah. Maze mishtamash beketer a Torah. Ata mishtamash ba Torah. On a dit tout à l'heure. Celui qui fait grandir son nom. Alors qu'il n'est pas au niveau, son nom, il va disparaître. Celui qui est Mishtamesh Batora, pour son kavod, pour son intérêt personnel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Khalaf mina olam haba. Parce qu'on a dit tout à l'heure, celui qui est de l'homosif yasif, de la khala, de la yalef ktala khayav, c'est baolam hazé, qui est dangereux pour ce monde-ci. Mais celui qui est Mishtamesh Batora, pour ton kavod, la Torah, elle n'est pas à toi. La Torah, elle est à Kadosh Baruch Hu. Tu n'es qu'un tsinor. Tu n'es qu'un tuyau qui fait passer ce que tu as reçu. Le Rav Kook, il signait toutes ses lettres en disant Eved le'am Kadosh. Je suis un serviteur d'un grand peuple. Mioter Gadol, qui est plus grand? Avraham Avinu ou Moshe Rabbeinu? Au niveau personnel, Avraham Avinu, pas de débat. Au niveau de l'influence, Moshe Rabbeinu, Lama. Eh bien, tout simplement parce que Avraham Avinu, quand il est né, on l'a appelé Avram. Mazé Avram, c'est quelqu'un qui est un Av-Ram, c'est-à-dire qui est un papa grand. C'est-à-dire que Avraham, il est grand, mitzad atzmo, il est grand de lui-même, il est grand. Moshe, il n'est que Ben Amram, le fils de Amram. Mais au-delà du fils de Amram, il est Ben Shel Amram. Il est le fils d'un peuple grand. Toute sa force lui vient du peuple juif. La Torah n'est pas à moi. La Torah, j'ai eu l'honneur de recevoir la Torah, il faut que je la transmette. Quelqu'un qui est l'omed, velomelamed, ou gonev. Donc, mishtamesh betaga, khalaf. La Gemara va nous dire, mazega mishtamesh betaga, c'est auge et hachem beotiotav. Celui qui est capable de déplaire le nom divin, Aoge Hashem Odeh Lochelak Olam Haba, parce que par Olam Hazeh Shem Hashem Umustar. Quand on dit Mishtamesh Betaga Chalaf, les commentateurs de la Mishnah vont dire Mazeh Mishtamesh Betaga, c'est celui qui est Mishtamesh Beshemot Akdoshim. Mishtamesh Beshemot Akdoshim,
les noms de Dieu, il les utilise comme ça, à tirer l'arigot. Parce que les noms de Dieu, ils représentent une réalité totale. Bah, Olam Hazeh, cette réalité, elle n'est jamais vraiment totale. Donc, quand tu enseignes la Torah, tu révèles cette totalité. Mais quand tu es stam dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas utiliser les Shemot HaKadoshim, celui qui « Mishtamesh Beshem Hashem Levatala Zeissur Hamur »« Lotissa Shem Hashem Lashav » On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain. Et Bichlal, lorsqu'on parle du tétragramme, Ken, du Shem HaMefourage, celui-là, Bichlal, on ne le dira même pas quand on étudie la Torah ou quand on fait la Tfila. Parce que Yudke Vavke, le tétragramme, représente un niveau qui n'est pas celui du Olam Hazeh, qui n'est pas celui de ce monde. Et donc, dans ce monde, eh bien, on ne prononcera pas Yudke Vavke, on le prononcera Aleph Dalet Nun Yud. C'est ce qu'on dit, Ze Shemi Leolam. J'ai un nom qui est pour l'éternité, mais il est gam ne'elam, il est gam caché. Ve Ze Zichri Ledor Dor, et ça, c'est le souvenir que j'ai pour toutes les générations, Aleph Dalet Nun Yud Adonai. Donc voilà, Awaya Omer Negat Shema Avad Sheme, Udela Mosif Yasif, Udela Yalef Ketala Chayav, Udeish Tamash Betaga Khalaf. À bientôt les amis.